et on va changer les... Kirby Mars, j'ai envie de dire compliqué pour Kirby, mais en même temps... En même temps, c'est le Kirby de Dr. Crow, quoi. En même temps, voilà, c'est un Kirby bien campi, et du coup, c'est compliqué pour Mars d'approcher, j'imagine. Faut juste que je regarde la couleur, il me semble que il le joue noir. Il joue bleu, je crois, Dr. Crow. Il me semble aussi, mais je sais pas s'il a pas il a pas changé pour. Et là, nous aurons Abray. Qui, Mars, il me semble qu'il joue bleu aussi. Mars, bleu, et c'est lancé direct. Hein. Et c'est lancé, et les canards sont au bon endroit. Mars blanc. Du coup. Et on lance. Le Kirby, il est bleu avec un bandeau, mais je le trouve pas. Ah bah, il sera bleu, c'est tout. Non, c'est bon. Donc, Dr. Crow qui joue avec un petit 3 heures de sommeil. Oui, post-soirée. Post-soirée bien arrosé. On va voir ce que ça vaut. Et Adrek qui fait le déplacement depuis Paris. C'est vrai, ça, c'est quand même bien sympathique. Ces joueurs investis dans P+, qui font le déplacement pour des. Bah ouais, carrément, en vrai. C'est vraiment très sympatoche. Et Adrek qui commence tout de suite là et qui. Ouh. Aïe aïe aïe, le Don't Bet Kirby, okay. ça pardonne pas. On l'oublie souvent vu qu'on le voit pas dans les autres jeux, mais dans P+, ça te fait littéralement dire ne va pas en dessous de moi, sinon tu prends un truc quand même assez. Tout à fait. Et que je peux cancel aussi assez rapidement, donc j'ai pas trop de risque à le faire. Il a plus de saut, mais. Ouh, oh là là. Bon reversal là, de la part de Dr. Crow. Ah ouais, clairement. Et puis il a repris le neutral into, je mets en edgeguard de Mars. Quoi. Ah, ça tue ça. Ah ouais. Ah bah putain, je me serais fait avoir là. Ah bah moi aussi, hein. je peux te le dire. Hein. Ouais, aïe aïe, ça c'était pas safe du tout de la part d'Adrey malheureusement. Là, le spacing juste devant le shield, mal spacé sur le shield, ça pardonne pas. Et c'est très dangereux de se faire grapper vers l'edge avec Kirby. Ah, Crow qui reste mine de rien assez safe et qui en profite pour gratter le 3% et faire des dingueries. Ah, il fallait qu'il prenne l'edge direct là. S'il prenait l'edge, il avait pris la stock là. Ouais, et puis il aurait pu même backer derrière s'il avait besoin ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est toujours l'avantage pour Crow. Donc ouais, c'est pas avec grave. Un bon 73% qui met mine de rien assez bien. On viendra prendre ses stocks du côté d'Adrem, mais on a bien gratté du côté de Crow. Donc au final, on reste dans un avantage assez sympatoche. Avec ce bon Kirby qui continue de mettre la pression. C'est quand même assez fou de voir un Kirby mettre la pression en te flottant un peu dessus et en ayant des coups un peu rapides, tu vois, c'est pas comme Puff. Allez, Fage aussi un peu fatigué là quand même. Mais... Quelque chose me dit que c'est pas à cause des soirées ça, mais plutôt à cause des révisions. Mais Bah ouais, mais la pression après, c'est surtout en fait les approches de Kirby. Tu t'attends pas après son up-b qu'il arrive sur toi, qu'il est le. Oh, mais attends, mais oula, mais c'est even et en fait il a failli prendre la stock là. Ah, il a failli l'éjecter avec un bon F-smash si j'ai pas de bêtises. Bien patient là dans le neutral, il garde bien le centre du terrain. Ça... Ouh, est-ce nice F-smash super bonne et qui phase. Va du coup prendre un avantage. Là, c'était une super bonne phase de neutral là de la part d'Adrey là. Ah, carrément, ouais, il a bien attiré pour mieux le tipper. Ouais, et puis enfin ouais, il a vraiment bien spacé. Le coup de down tilt ensuite, il overshoot complètement son F-smash pour trouver Dr. Crow qui veut s'enfuir un petit peu vers l'edge. Et la stock est trouvée en réponse de la part de Dr. Crow. Avec du coup une situation qui est d'égal à égal là, où on a à peu près les mêmes pourcentages. Et ouais. Avec Crow qui du coup va venir creuser une petite phase d'avantage bien sympathique quand même. Et ouais. Qui va venir gratter un bon 77% parce que pourquoi pas qu'il a failli convertir sur un gros marteau. Mais il est si d'autre. Ouais. Pourquoi je n'ai pas fait le CD. Bah. Mais oh, mais non, mais moi je m'attendais à jouer Gandorf en winner car. Hein. Oh, what the fuck? Et bah t'as qu'à gagner, tu trouves mais pas? Mais non, pourquoi? Mais non, non ça, mais doit être, ça doit être de sa poule parce que. Ah oui, oui, ça peut-être oui. Bah non, parce que moi ma poule elle était beaucoup plus facile. Moi, Adrey, c'est un seed beaucoup plus dur en deuxième de poule. Ouais. Ah bah oui. Non, j'étais déçu parce que j'avais trop envie de jouer contre Gandorf en fait, c'était pour ça. Non, mais j'entends. Ouh, le gros marteau qui aura pris la stock du côté de Mars qui va remettre encore une fois les pendules à l'heure avec une stock de chaque côté. Ok. Mars qui aura bien poussé Kirby, c'est dommage de ne pas avoir continué cette phase là et d'avoir laissé Crow reprendre le neutral. Mais qui mine de rien. Ouh, c'est compliqué là. Ouh. Là c'est très compliqué. Non, c'est dommage. Ouais, mais il a en pu même avoir temps, un grab, tu vois. Il voulait peut-être. Oh, ok, le triple power shield. Ouais, il a bien attendu, bien patient hein. Dans le neutral, il est vraiment pas mal, Adrey. Ah, carrément, carrément. Le seul truc où. Alors après, c'est peut-être parce qu'il les connaît pas aussi, parce que j'imagine qu'aussi dans P+, Kirby, c'est assez particulier. Et merci Galéo Credo pour le follow à la chaîne. C'est que tu peux tenter les mêmes bails de pivot F-smash que sur Puff en fait. Ouais. À base de down-throw, F-throw, etc. Ça tue. Et il en fait pas beaucoup trop. Et ça tue avec le marteau. 1-0 pour c'est la stock. Dr. Crow.
Par contre, ça me casse la tête parce que j'ai fait réinitialiser les scores deux fois et regarde, ça me met toujours 2-0 pour. Bah là, c'est bon là. Oui, mais regarde, ça va changer dans pas longtemps. Dans pas longtemps, tu regardes hein. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Il y a 1-0 là pour Docteur Kuro. Attends, je réinitialise into 1-0. Bah, c'est quand même fou. Bon bah écoutez. Alors là, il y a 1-0 pour Docteur Kuro, mais le 2 veut pas partir. Le 2 veut pas partir, on a fait réinitialiser le score deux fois et je sais pas pourquoi. De quoi? Vers le bas? Ouais, j'ai baissé les scores, j'ai fait reset le score, ça veut pas. C'est cassé, on est d'accord. Oui. Ouais, c'est bon pour nous, ouais, vous inquiétez pas. C'est... Mais sachez qu'il y a 1-0 pour. Ah oui, putain, attends, faut que j'actualise le score. Ouais, ça repasse à 2 automatiquement, on sait pas trop pourquoi, mais bon. Attends, je vais essayer de reset. Allez. Ouh là, la back throw F smash là qui est dangereux. Hein. Ouh, il a crouch juste en dessous, c'était mignon. Non, tu vois, je sais pas. Ouais. Ah, dommage, Wave Dash qui s'est transformé en air dodge sur le côté avec beaucoup de lag. Et Dr. Croc, c'est pas mal à voir par les back throw F smash là. L'ADI qui est pas. L'ADI qui est pas là. Qui est pas optimal peut-être. Ouais. On n'est pas sur Green Hill Zone qui est un terrain que je connais pas trop. Oula, l'angle il aura été particulier pour Mars là quand même. Ouais, je sais pas trop pourquoi ce terrain pour Mars, mais on pas compte à quel point. Je sais pas. Ouh, c'était chaud. Ouais, Galéo, c'est revenu plusieurs fois le 2. On a essayé de reset plusieurs fois et je sais pas pourquoi ça veut pas changer. C'est pas trop grave. Sachez en tout cas qu'il y a 1-0. Ouais, il y a 1-0, ne vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Oui. Après tout, il n'y a pas de plus grave, mais. Et pour l'instant, ça cherche dans le neutral, ça space un peu. Double dash attaque de la part de ce très cher Dr. Kuro qui, malheureusement, va se faire aussi faire mettre au stage par une down air. Et. Qui va gagner un peu galérer là quand même. Je sais pas trop comment aborder le problème Mars. Voilà, tu vois. Là, s'il avait fait un pivot F-Smash, je pense qu'il avait moyen de l'avoir en trou, tu vois. Ouais. Et pas de l'avoir sur une espèce de ride ou quoi que ce soit. Parce que pour le coup, le grab était vraiment bien trouvé. Il l'a poussé avec quoi là? Un smash? Ouais, une dash attack. Dash attack, ok. Moi je savais pas qu'elle envoyait aussi loin au concentre. Si, c'est terrible la dash attack parce que ça t'envoie vraiment en dehors du terrain et. Sauf que Kirby il vient avec toi en dehors du terrain et du coup, derrière. Il peut continuer, ouais, non, c'est bien. Non, mais c'est un bon perso. On est censé être un des pires de P+, mais il a quand même de quoi se défendre. Bon down tilt. Et pas évident Edgeguard, hein. Kirby. Ouais. C'est le même problème qu'avec Puff en fait, c'est que tu sais jamais, à part quand il a supprimé ses 5 sauts. Bah, surtout qu'en plus Kirby, son up B, Là dans ce jeu là il sert vraiment à quelque chose. Ouais. T'as envie de le couvrir, sauf que tu sais pas s'il va venir vers toi ou vers le haut, et ce mix up là il est pas évident à couvrir. Hein. Après, il me semble qu'il a que deux directions, c'est pas comme Fox. Oui, mais ouais. Ça va vite, hein, t'as vu? Ah oui, clairement. C'est pas comme Fox où il doit charger son up B, je veux dire. Ouais, là, c'est zoup. Ouais, mais du coup, enfin tu vois, c'est comme un sidebet Fox dans. Oui, dans sauf, oui, sauf tu peux aller vers le haut. Oui, et ce serait terrible un sidebet Fox qui va dans deux directions. Oui, il est mort. Il est mort. Oui, on sait. Mais on sait pas pourquoi ça va pas s'actualiser. Bah, du coup, 2-0 pour Kuro. 2-0 pour Dr. Kuro. Ah, là, tu vois, je mets 0 et ça va revenir à 2 dans pas longtemps. 2-2. Mais du coup. 2-2, c'est close, hein. Allez, game 5, c'est parti. Bien joué pour Dr. Kuro pour avoir gagné ce match, du coup. Ce might result. Et du coup, je crois qu'on a complété toutes les poules, si je dis pas de bêtises.